Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et lave-toi au réservoir de Siloé. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? C'est lui. Non, mais il lui ressemble. C'est moi. Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme ? Je ne sais. Comment as-tu recouvré la vue ? Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé. Et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le jour du sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? C'est un prophète. Fais venir tes parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ? Nous ne savons. Ou qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne savons. Il a de l'âge, interrogez-le. Il parlera de ce qui le concerne. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme Jésus est un pécheur. S'il est un pécheur ou non, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ?
Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est quand même étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Depuis le commencement, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Crois-tu au Fils de Dieu ? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Oh. Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi, sommes-nous aveugles ? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Frère Cesor, plongeons-nous dans le récit que nous venons d'écouter. Le texte de cet évangile d'aujourd'hui, paradoxalement, va nous présenter où est vraiment le bogle. C'est lui qui est né le bogle, ou c'est les disciples qui posent la question. Est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est pagan? Deuxièmement, les pharisiens qui refusent de voir à celui qui voit. Pourquoi refusent? Parce que toujours est considéré dans le péché. Alors, quand il était, selon les pharisiens, dans le péché, c'était impossible d'avoir la guérison. C'était impossible que ce soit lui qui était guéri. Et troisième aspect, c'est aussi ses propres parents. Papa, maman, qui ont vu naître son enfant, qui l'évoque à la naissance, mais que parle pour qu'il soit expulsé du temple quand la femme va être effectué, préfère de garder silence, de faire comme qu'il ne reconnaît pas que celui a été guéri. Et le bogle né, c'est lui qui va dire clairement, à la fin de tous les interrogatoires qui se fait d'un pas par les disciples. Est-ce que c'est lui ou c'est pagan qui a péché? Les interrogatoires qui vont faire les pharisiens vers lui, l'interrogatoire que va faire Jésus-Christ aussi avec lui. Mais la réponse clé à la fin de ce récit, de ce interrogatoire, je crois que signifie je vois. Je crois. Je vois. Alors, nous pourrons aussi regarder qu'il y a quelques aspects, comme je viens de mentionner, paradoxalement, toute cette histoire. Mais aussi, à qui est la responsabilité du père? Deuxièmement,
L'histoire qui se présente, c'est une opportunité pour l'être humain de recevoir la grâce et la miséricorde du Seigneur. Troisième aspect, c'est le bocal qui va donner témoignage. Mais alors, premièrement, la loi peut conduire le bocal à l'exclusion. Dans ce texte, l'illustration qui nous présente, pas nécessairement, on pourrait dire, l'attitude d'un athée, mais des frères et sœurs qui ne professent pas notre foi, qui peuvent nous dire que notre religion à quoi sert, que notre religion fait de l'exclusion. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai quand vous et moi, nous faisions de l'exclusion avec nos frères et sœurs plus démunis, plus exclus. La femme samaritaine, les bogles, tant de personnes que nous jugeons avec des stéréotypes par la différence de langue, par les couleurs de la peau, parce qu'ils ne pensent pas la même chose que moi, parce que sa manière d'agir est différente à la mienne. Quand des femmes, mères célibataires, qui frappent la porte de l'église pour demander le baptême de son enfant, et nous, comme agents de douane, nous commençons à poser tant de questions, de questions, de questions, de questions, qu'à la fin, ça peut que ces femmes, mères célibataires, qui n'ont pas un papa pour accompagner son enfant, va décider de faire baptiser son enfant. Mais c'est à cause de notre attitude. Ces considérations, ce que nous faisions, alors nous convertissons, on convertit notre religion à une façon de faire de l'exclusion, quand doit être tout le contraire, de faire l'accueil inconditionnel dans le respect, dans l'empathie, dans la solidarité avec tous nos frères et sœurs. Écouter à l'autre sa façon d'agir. Le péché de l'autre ne me fait pas différent à cause de mon péché. Tant de pécheurs longs comme pécheurs chez moi. Alors, de cette manière, notre attitude devient comme celle de pharisiens. Ce n'est pas possible. Lui, c'est un pécheur, pas question, pas de guérison. Regardons alors, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur prend la terre. La terre, la poudre. Et va faire toutes ces situations, tout cet aspect avec la terre, le mélange qu'il fait avec la salive, il va les mettre dans les jus de l'aveugle. Alors, la foi de Christ, c'est l'accueil inconditionnel. Et cette foi en Christ qui devient accueil inconditionnel, elle produit une guérison. Ce mot en particulier de la guérison qui fait le Seigneur, de manière étrange, mais aussi révélatrice, à cause, comme je viens de mentionner, qu'il a fait de la boue avec de la salive, et qu'il va l'appliquer dans les jus de l'aveugle. Ce n'est pas seulement la prière qui guérit, mais c'est la boue.
C'était vous rappelle aussi que nous sommes tous issus de celle laquelle Dieu a créé le monde. Le récit de la création le rappelle. La façon dont Dieu a créé le monde et la façon dont Dieu a vu que tout était bon et finalement a créé l'homme et la femme à son image. C'est merveilleux parce que le Seigneur nous a donné la vie en cette attitude et c'est là qu'il vient à faire aussi avec le peuple. C'est un récit qui nous montre un Jésus-Christ qui ne fait pas de juger. De quelle manière? Rappelle-nous dans les évangiles passés. La femme adultère, qu'est-ce qu'elle lui a fait? A fait en la terre comme un signe de croix. Femme, où sont les personnes qui te condamnent? Moi? Non plus, je ne vais pas te condamner. Jésus-Christ qui rencontre la femme samaritaine. Jésus qui vient rétablir la dignité de l'être humain. Jésus qui vient de dire que le témoignage de l'amour du Christ se base sur la dignité humaine. Et c'est lui-même qui vient rappeler pour donner la dignité à l'être humain. Et c'est là qu'il se présente aussi dans ce merveilleux récit. Alors, le Jésus qui prend le but, qui le va appliquer aujourd'hui, mais va le dire, allez, ou à la piscine, Siloé, que signifie précisément envoyer. Allez, lui est en train de l'envoyer aussi pour qu'il devienne témoin de son amour, pour qu'il devienne missionnaire dans la vie de cet homme qui est né aveugle. Mais que par la grâce du Seigneur a récupéré la vision. Mais une vision totalement différente. Allez à la piscine Siloé. Envoyez con la femme samaritaine qui a été envoyée aussi, qui a donné témoignage du Seigneur. Regardons la façon con la femme samaritaine va dire: je crois que vous êtes un prophète, plus qu'un prophète. Après tout l'interrogatoire que cet homme, l'aveugle, vient de passer avec les pharisiens et même avec Jésus-Christ, va reconnaître la grandeur de Jésus-Christ. Vous êtes un prophète. Alors Jésus-Christ qui vient redonner la dignité de l'être humain va convertir ces personnes en dépositaire de la foi. La femme adultère qui devient dépositaire de la parole de Dieu et curieusement pas les apôtres dans ce moment, cet homme, l'aveugle, devient dépositaire de la parole de Dieu et pas les apôtres. Dans ce récit aussi. Alors, Jésus-Christ nous invite par le baptême, rappelons-nous l'image de l'eau, la Samaritaine dans le puits de Jacob. Donne-moi de l'eau parce que j'ai soif. Mais qu'après va dire la Samaritaine à Jésus: Seigneur, donne-moi de cette eau, parce que j'ai jamais de soif.
Et maintenant, c'était le bogle qui va aller à la piscine. Où va récupérer sa vision? Qu'est-ce qu'il y a à la piscine? De l'eau. Va se baigner. Et ce geste va symboliser aussi le bâton. Le bâton dans une nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Christ guérit nos blessures. Le Seigneur qui ne juge pas, qui ne condamne pas, malgré que c'est lui le seul juge. Le regard de Jésus-Christ ne va pas faire d'exclusion de personne. Paradoxalement, aujourd'hui le Seigneur nous invite à nous reconnaître et bogle pour être capable de recevoir la vraie lumière. Recordons aussi que dans les autres passages de la autres semaine, le Seigneur a dit, vous êtes le sel et lumière du monde. Après, a mentionné aussi, je suis la lumière. Aujourd'hui aussi, dans cette invitation, le Seigneur nous invite à vraiment recevoir cette lumière, la lumière de la résurrection, avec la vie de Jésus-Christ sur laquelle nous devions marcher ensemble. Qui es-tu pour juger ton frère? Qui je suis pour juger mon frère? Rien. Le Seigneur alors nous invite à nous reconnaître aussi notre faiblesse, à nous reconnaître que nous avons besoin d'être guéris, que nous sommes aveugles, parce que nous, comme les pharisiens, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, mais on ne regarde pas comme le petit prince nous rappelle dans ses belles aventures. L'essentiel se regarde avec l'intérieur. Alors, mes frères et sœurs, dans ce dimanche, demandons le Seigneur que lui soit pour nous la source de guérison. Que nous pourrions le dire au Seigneur, Seigneur, je suis aveugle. Que sur ce chemin de carême, je sois guéri, que je puisse récupérer, que je puisse avoir la capacité de voir, de regarder ta merveille, de regarder toute l'œuvre merveilleuse que vous faites à chacun et chacun de nous. Et aujourd'hui, que nous célébrons aussi à notre Église, en fait, merveilleuse, Saint-Joseph. Saint-Joseph, que c'est le modèle de père, d'épouse. Saint-Joseph, qui était aussi le dépositaire de la foi, dépositaire de la parole qui s'est fait chère. Demandons l'intercession de Saint-Joseph pour que le Seigneur écoute notre prière, exauce notre prière, guérit toutes nos blessures. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos joues. Vous êtes venu entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginelle épouse, est venu. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'au nos derniers jours. Et donnez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous, pauvres pécheurs. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur nous accompagnent pour toujours et que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bonne semaine.